À cœur de vous partager, eh bien, un texte de la Parole de Dieu, parce que c'est aussi pour ça que vous êtes que vous êtes venus ce soir pour louer le Seigneur et, et ouais plus plus on va de l'avant plus je me dis eh bien on a besoin aussi d'être d'être connu de Dieu et que Dieu nous connaisse d'entrer dans, dans sa présence, de le louer, de l'adorer, de le bénir. On voit avec les, les médias, les médias sociaux aussi euh, l'incroyable, euh, voilà l'incroyable boom, la, la quantité de vidéos aussi qui circulent. Internet c'est un formidable moyen de communication. Ça permet aussi d'évangéliser au bout du monde, dans des contrées euh, pas du tout atteintes. Malheureusement, Internet c'est aussi un formidable moyen de péché. Quand on voit qu'il y a 1,5 milliard de personnes qui visionnent des vidéos YouTube euh, chaque mois, et je regardais les statistiques là juste avant, il y a 400 heures de vidéos qui sont uploadées sur YouTube à chaque minute. 400 heures de vidéos supplémentaires sur YouTube chaque minute. Alors on peut se rendre compte... Euh chaque jour, ça fait des 600 000 heures de vidéos en plus sur YouTube. Alors je ne sais pas si on a assez de toute une vie pour regarder toutes, et, toutes ces vidéos. Donc vous pouvez vous imaginer qu'il y a à boire et à manger et pas forcément que du bon. Alors c'est vrai que chaque jour, il y a des millions d'images qui sont mises en ligne. Toutes ces choses ne sont pas nécessairement pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas forcément des choses mauvaises. J'ai aussi parlé du contenu pornographique ou d'autres calomnies, des ragots, des choses qui nourrissent pas forcément l'âme, mais eh bien, qui font aussi le fond de commerce de certains, certains milieux. Si on en revient à la parole de Dieu par rapport à ça, si on regarde le psaume 101, verset 3, David a dit, je mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne sais pas le nombre d'heures qu'on peut passer dans... Un mois à regarder des vidéos qui ne sont pas forcément utiles ni constructives, euh, parfois euh, voilà, à la limite. Et si on en revient ben, à ce que David disait, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Est-ce qu'on a aussi ces critères qui nous habitent qui nous remplissent aussi et bien des critères qui ne sont pas là pour, pour nous embêter, mais des critères qui sont là aussi pour nous protéger, pour nous construire. David, c'était son plaisir de, de plaire à Dieu de tout son cœur. Pourtant, ce même David a un jour attardé son regard sur la femme d'un autre et il a péché contre son Dieu. Et après avoir réalisé sa faute, il va se repentir à travers cette prière du Psaume 51, verset 12. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et je crois que c'est aussi cette attitude que Dieu nous appelle à avoir, c'est d'avoir ce désir d'avoir ce cœur pur. Cette attitude où on demande à Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce que c'est votre résolution Est-ce que c'est votre motivation Alors qu'on loue le Seigneur, c'est vrai qu'on peut louer des lèvres, on peut le bénir, on peut l'adorer. Mais en même temps, notre cœur peut être, comme dit la parole, très éloigné de lui. Et ce que Dieu veut, eh bien, c'est qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on vit, en quelque sorte. Donc, Dire avec cette humilité aussi au Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Peut-être parfois on manque de détermination, mais on peut demander cette détermination à Dieu, qui donne à celui qui demande. Alors ce soir, eh bien qu'on puisse se dire, ben oui, peut-être que, que j'ai failli sur tel ou tel domaine, peut-être que je manque de motivation, de zèle, mais je peux demander à Dieu. Je peux demander à Dieu cette même prière qui date de, de mille ans avant Jésus-Christ que David a formulée, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et j'aimerais vous encourager, c'est le désir de Dieu que vous soyez saints. Il dit aussi dans Lévitique, le livre du Lévitique, dans l'Ancien Testament, chapitre 20 et au verset 26, il va dire « Vous serez saints pour moi car je suis saint ». « Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Et j'aime bien le rappeler, le mot « sainteté », c'est pas seulement ce lien avec la pureté, mais c'est ça veut dire cette séparation, être mis à part. « Vous serez mis à part. Vous serez mis à part pour moi. » Quand vous lisez « Vous serez saint pour moi », Dieu est en train de dire « Vous serez mis à part pour moi ». Il y a une différence entre les païens et vous, entre ceux qui ne croient pas et vous. Vous serez mis à part pour moi car je suis mis à part aussi. C'est pour ça qu'on n'est pas appelé à utiliser le nom de l'éternel, notre Dieu, en vain, à dire tout et n'importe quoi au nom de, de l'éternel, au nom de, de Dieu. Vous serez saints pour moi car je suis saint, moi l'éternel. Je vous ai mis à part, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Et ce que Dieu veut, c'est la totalité de notre vie, de notre cœur, non pas parce qu'il est égoïste, mais parce qu'il nous aime et il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Alors je citais David tout à l'heure, qui avait cette, cette résolution aussi, comme je l'ai dit au psaume 100, verset 3, où il a dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. David, il s'est encoublé. Et David, il a fait, il a commis euh, on pourrait dire l'irréparable. Aussi, et suite à cela, eh bien, il a écrit un psaume qui nous est relaté eh bien dans notre Bible, le psaume 51 et j'aimerais juste qu'on le lise ensemble. Où il est dit au chef de cœur psaume de David lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. On est au verset 3. Ô oh Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Cette prière, elle est relativement simple et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, eh bien, on puisse aussi s'approcher de lui et lui dire, Ô oh Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta mort sur la croix, ta résurrection, fais-moi grâce. Conformément à ta grande compassion, efface mes, grands, mes transgressions. On est au verset 4, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, contre toi seul. Je fais ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de, du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Et c'est là qu'on arrive à ce verset 12. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je crois que chaque jour, chaque jour, on est appelé à, à venir devant le Seigneur, peut-être même commencer nos journées ainsi, en lui disant Mais Seigneur, crée en moi un cœur pur. Parce que, comme j'ai dit, on peut voir un tas de choses, on peut recevoir des même des, des vidéos, des choses qui peuvent être très drôles, d'autres pas du tout et qui vont comme souiller nos pensées, souiller notre âme. Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton esprit saint. David savait que le meilleur était dans la présence de Dieu. Ne me rejette pas, ne me retire pas. J'ai besoin de ta présence. Chérissez cette présence de Dieu, mes frères et sœurs. Et au verset 14 que j'ai mentionné aussi ce matin dans ma prédication, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Est-ce qu'on a encore cette joie pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour le bénir ce soir, comme dans chaque temps de louange à l'église, eh bien on est invité à entrer dans la présence de Dieu, à se réjouir pour notre salut parce qu'on est sauvé. Est-ce que vous dites bof, ouais bon ben je sais que je suis sauvé mais ça change quoi Mais en fait, ça change tout. Ça change tout d'être sauvé et ça devrait nous, nous pousser à adorer le Seigneur comme euh, comme des fous, je ne trouve pas de terme. À se réjouir vraiment de, de sa grâce, de son amour, de toute son action. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne de nouveau cette bonne volonté. Verset 15 J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit brisé et humilié. Cet esprit brisé, c'est de reconnaître notre faiblesse aussi devant Dieu, de reconnaître l'état dans lequel nous sommes. Reconnaître, eh bien, qu'on a besoin de sa grâce, un esprit humilié, pas venir avec fierté dans la présence de Dieu, en faisant les fiers parce que devant Dieu, on eh bien, on peut pas se vanter de quoi que ce soit, mais de se dire Seigneur. Encore une fois, je me rends compte que j'ai besoin de ta grâce. Et alors qu'on est dans la présence de Dieu, eh bien, Dieu nous, nous donne cette joie, cette paix, cette victoire aussi sur le péché, comme David. Eh bien, qui a été aussi décrété, où il est dit de lui qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, qu'est-ce qu'il n'a pas commis comme, euh, comme niaiserie, comme chose atroce et terrible Mais c'est un homme qui a su reconnaître l'état de son cœur, qui a su reconnaître ses fautes, qui a su revenir à Dieu et le placer au-dessus de toute chose. Alors, est-ce qu'on veut être ces hommes et ces femmes ce soir aussi en disant, ben, crée en moi un cœur pur, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce que c'est ce que vous voulez C'est vraiment déterminant et important pour euh, chacune de nos vies. C'est tellement important parce qu'on n'est pas là juste pour passer notre temps sur terre, mais vraiment pour accomplir le plan de Dieu. Et ce que dans la mesure que dans la mesure où on a cet esprit bien disposé bien qu'on est disposé aussi à obéir au seigneur et à faire sa volonté. Alors voilà ce que j'avais à cœur de vous laisser ce soir, ce que j'avais à cœur de vous partager, mais que Dieu aussi et eh bien nous donne de vivre sa présence. Est-ce qu'on peut juste faire silence un petit peu maintenant et et réfléchir à ça Est-ce que on veut être un petit peu comme des petits David en disant Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, c'est toi qui fais ce miracle dans nos vies, dans la mesure où on le souhaite. Parce que tu nous rappelles que tout vient de toi. Tu dis qu'as-tu que tu n'es reçu Eh bien Seigneur, oui. C'est toi qui, qui crée en nous un cœur pur. C'est toi qui renouvelle en nous un esprit bien disposé. Eh bien Seigneur, merci. Merci pour ce temps de culte qu'on a pu te consacrer, ce moment privilégié dans ta présence. Merci Jésus pour euh, ce privilège qu'on a seigneur d'être dans ce pays seigneur bénis aussi nos autorités seigneur accorde leur ta sagesse ta lumière et seigneur bénis aussi la suite de cette semaine seigneur tout ce qui tout ce qu'on va vivre seigneur cette soirée déjà mais aussi toute la semaine seigneur qu'on soit rempli de toi et qu'on puisse se souvenir seigneur de nous approcher de toi et seigneur de te demander de nous donner de renouveler, Seigneur, ce cœur pur, nous donner ce cœur bien disposé, cet esprit bien disposé. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni mes frères et sœurs. Que ta joie, Seigneur, cette joie du salut, soit gravée dans leur vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.